réveillé. Voilà, ça c'est la fine équipe. Bon, aujourd'hui c'est pas une course, donc voilà, c'est cool. On va faire. Aujourd'hui c'est pépère. C'est pépère. Voilà. On dort sur les motos. Voilà. Quand ta moto est prête, tu viens faire le sonomètre. Voilà. Ça c'est tous les gens qui font la file. Donc voilà, ça c'est la prise du son obligatoire, donc une fois en statique, donc quand t'es à l'arrêt, et après une fois en dynamique, donc quand tu passes sur la piste. S'il y en a une de deux qui passe pas, tu roules pas, ou alors tu changes ton pot, tu fais un truc, mais tu te démerdes, mais tu roules pas tant que t'es pas aux normes de bruit. Salam alaikum, Mohamed alaikum salam, aujourd'hui on était là ici, montre la beauté, voilà. On est ici avec une R6, d'accord? La R6, ça pèse dans le gueule. Bon, il y a du soleil, heureusement la météo est avec nous aujourd'hui. Là on a déjà fait deux runs au lieu de trois parce qu'il y a eu un problème, il y avait de l'huile sur la piste et tout. Donc voilà, ils préfèrent que tout soit sécurisé et qu'on ne roule pas que de rouler et qu'on se plante. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pour l'instant ça se passe bien, franchement ça fait plaisir d'être de retour sur piste. Même mes potes qui sont avec moi, ça claque des fessiers comme on dit. Donc franchement on est vraiment super content. Là on a fini de manger, il nous reste encore trois runs à faire. Bon on le fera pas avec ça mais c'est dommage mais c'est pas grave. On va faire ça tout de suite, c'est parti. I see change. All right, bottles on me, long as someone drink it, never drop the ball. Fuck it, y'all thinking. Shorty young money ship is never sinking. About to set it off in this bitch Jada Pinkett. I shouldn't have drove. Tell me how I'm getting home. You too fine to be laying down in bed alone. I could teach you how to speak my language, Rosetta Stone. I swear this life is like the sweetest thing I've ever known. About to go thriller Mike Jackson on these niggas. All I need is a fucking red jacket with some zippers. Super good. Mais qui est malade? I did it overnight, it couldn't happen any quicker. Y'all know them, well fuck it, me either. But point the biggest skeptic out, I make them a believer. It wouldn't be the first time I done it, throwing hundreds where I should be throwing ones, bitch, I run it out. Changes. I see changes. R6, c'est comme ça. Et voilà les gens, nous voilà enfin rentrés à la maison. J'ai pas su vlogger à la fin de cette vidéo quand j'étais au circuit parce que j'étais vraiment trop fatigué. On avait encore 1h30 de route, donc laisse tomber. Je remercie énormément Jérôme pour cette journée magnifique, la WeBaby Racing Team, la Mertens Riding School, Mickaël pour m'avoir prêté sa R6, tous les abonnés qui ont fait le déplacement pour venir me voir, discuter un peu, prendre une photo. C'était vraiment génial, un grand grand merci à vous. Un immense merci aussi au pote, ça me suffit, avec tous ses potes qui ont fait 6 heures de route aller-retour pour venir me voir. C'était vraiment génial, au plaisir de se revoir frérot. Bref, vraiment une journée de malade mental. Il y avait même un pilote MotoGP, c'est Xavier Simeon, le seul belge en MotoGP. Alors oui, c'est peut-être pas le meilleur, mais ça reste quand même un pilote MotoGP. Et je peux te dire que quand il te fait l'extérieur sur une ligne droite, t'es pas bien, hein. On va pas se cacher, t'es pas bien. Surtout que lui est en duo et toi t'es en solo. Alors bon. Bref, c'était vraiment une super journée. Je les remercie. On refait ça, mais quand vous voulez. Nous, on se voit le 12 et 13 mai à Clastres et le 19 et 20 mai au Mans. Ça va être génial. Je vous attends. Je vous fais vraiment des gros bisous parce que c'est grâce à vous tout ça. Vous me permettez de vivre un rêve tous les jours. Donc un grand merci à vous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous kiffe. Bisous sur les tétons. Que du bonheur, que des bonnes choses les gens. À la prochaine.